Histoire 1. Peu. Qui a ajouté ce mendiant ici C'est moi. Quelque chose ne va pas Pourquoi as-tu ajouté du bacon, pas du CNP Hugues. Mais c'est ma petite amie. Bonjour, gars. Je suis Daisy. Ravi de te rencontrer. Ferme ta gueule. Qui demande Et hey, Freya, ne sois pas impoli avec elle. Es-tu aveugle c'est une petite gamine sale. Tu sais quoi Être bacon est mon passe-temps préféré. Maintenant, je vais changer d'avatar. Ah 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 Tu es un sale rat. Je veux juste voir ta réaction. Maintenant, voyons. Je reviens avec une nouvelle apparence. Qui s'en soucie Personne. Tu ferais mieux de sortir d'ici parce que tu n'es qu'une copie de nous. Hey, idiot c'est pour ça que cette tenue a un nom, qui est CNP. Tu penses que je m'en soucie, Ra Alors les gars, faisons une révélation du visage pour voir qui est ce gamin. Excellente idée, mec. Accepté. Ben euh, non. Pourquoi pas, Freya Je, je suis juste timide, bébé. Bébé HH. Que cela soit un avertissement pour toi. N'appelle pas mon petit ami comme ça. Regarde Daisy. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh pardon. Alors les gars. Je vais montrer mon visage. Belle, bébé. Jolie. Merci. Alors mon tour. Bombasse. Attends, quoi? J'irai ensuite. Oh mon Dieu. Mon mari. Épouse-moi. Épouse-moi. Épouse-moi vite. Toi. Je ne peux plus la supporter. Calme-toi, bébé. Ne sois pas sérieux comme ça. Freya plaisante. Tu la défends Les gars, j'irai en dernier. D'accord. Je dois y aller maintenant. Bébé, virons-la de notre groupe, je la déteste tellement. Ne parle pas de ma petite amie comme ça. C'est une fille gentille et riche. Oups. Tu l'utilises pour son argent Bien sûr que non. Es-tu sûr? Un zéro 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 pour cent, c'est sûr. Bébé, faisons une blague pour la troller. Quelle blague? Surprise inattendue. Ça a l'air drôle. Salut les gars, je suis de retour. Veux-tu rejoindre ce jeu? Tais-toi. Qu'est-ce que c'est, Alex? Hey, fille impolie. Ce qui s'est passé Je suis enceinte. C'est ton affaire, pas la mienne. Et je suis le père. Comment Et Joshua vient de t'utiliser pour ton argent. Quoi Bébé, romps avec elle. Daisy, c'est fini. Parce que j'ai une nouvelle petite amie et elle est aussi enceinte. Bah. Bébé, réveille-toi. C'est juste une farce. Attends. Bah, c'est juste une farce que pensait Freya. Je t'avais prévenu avant. Oh mon Dieu, aide-moi. Et les gars, souviens-toi. Je ne suis pas stupide et c'est toi. Oui, c'est ma photo. Mais ce n'est pas moi. Tu veux dire que tu nous as menti Sérieusement, bébé Honnêtement, c'est moi. Je sais qu'elle est jalouse parce que je suis plus sexy qu'elle, puis elle a envoyé une fausse photo d'elle. Et les gars, encore une chose importante. Ah. J'ai trouvé ça. Oh mon Dieu. Les gars, fais-moi confiance. Elle pouvait mentir une fois et maintenant elle le peut. Ouais. C'est édité. Non. S'il te plaît. Tais-toi. Qui te permet de le dire Bébé. Tu dois me faire confiance. Je le ferai si tu me donnes tous tes robux. Ok, ok. Je viens de te donner tous les robux que j'ai. Maintenant, sors d'ici. Ah. Mais tu as dit. J'ai dit que je le ferai, ça ne veut pas dire que je dois te faire confiance. Si stupide. Bah, ah, ah, ah. tu m'as trahi. Je l'expulse, les gars. Et, finalement, ce gamin a été expulsé d'ici. Et bébé, tu devrais rompre avec ce menteur. Je le ferai, chérie. Je vais lui envoyer un texto maintenant. Hey, Daisy. Je sais que tu me fais confiance, bébé. Oh non. Je suis venu ici parce que je veux rompre avec toi. Quoi Tu es un menteur et j'ai le béguin pour quelqu'un. C'est pour ça que tu veux rompre avec moi Sors d'ici. Et tu ferais mieux de ne plus me revoir. Je vais te frapper, tu te souviens Tu es comme un lion. Et je te bloquerai pour ne plus te voir. suis Joshua bébé. Je vais me venger d'elle pour ce qu'elle m'a fait. Que vas-tu faire Deviens quoi Joshua. Aide-moi. C'est ton affaire, je m'en fiche. Deux mille ans plus tard. Je te déteste, les gars. Je ne t'aime jamais, Joshua. frais tu ferais mieux de ne pas apparaître devant moi ou ou quoi. Je me demande que ce gamin handicapé comme toi peut faire quoi. Je vais me venger. Oh mon dieu. J'ai tellement peur. Vie. Ne me fais pas rire. Je vais te bloquer, les gars. Tu es les pires personnes que j'ai jamais rencontrées. Elle m'a bloqué, les gars. Ouais. Maintenant, tu es à moi. Tu veux être mon petit ami? Attends, bébé. Toi et moi sommes un couple. Ah ah ah. C'est juste une blague le jour du poisson d'avril. Mais nous sommes en septembre maintenant. Bien. Je ronde avec toi, d'accord. Et viens ici, mon bébé. Pourquoi? Bisous. 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 Je ne peux pas croire que ça puisse m'arriver. Oui. Cette tenue me rappelle mon ex-petite amie. C'est bon maintenant. Alors trouve de nouveaux amis. Au oh, salut. Et puis-je te joindre Tu es si magnifique. Bien sûr. Oh, pouvons-nous nous joindre aussi Plus on est de fous, plus on rit. Ouais. Je m'appelle Ruby. Je m'appelle Jacques et elle s'appelle Léla. Sympa de te rencontrer, les gars. Ouais. Je m'appelle Daisy. Attends quoi Daisy Oh mon dieu. Je ne peux pas croire que nous puissions la revoir ici. Ouais. Tu veux lui faire quelque chose d'intéressant Oui. Les gars Vérifie ton Robux. Quoi J'ai offert à chaque personne 10 000 Robux comme cadeau de réunion. Oh mon dieu. Merci. Tu veux jouer à Murder Mystery 2, les gars Oui. Rejoins-moi. Allez, les gars. Qui est le meurtrier Ah. Tu es si amusant. Qui serait fou d'admettre cela aux autres Certainement pas. Qui hey, est hey. J'ai un plan. Oh mon dieu. Qui a fait ça Je suis mort. Et maintenant, il est temps de se présenter. Innocent. Shérif. Je suis un meurtrier. Je ne peux pas croire que tu puisses me tuer. Moi aussi. Désolé, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas moi qui ai un couteau. Le shérif a un couteau. Et tu veux dire que le shérif nous tue Ça n'a pas de sens. Ouais. Maintenant, tu m'as même menti. Tu es tellement méfiant. Oups. Où est-elle? Je l'ai virée du groupe. Bien. Oups. Mon frère m'appelle. Je dois y aller maintenant. À demain, les gars. D'accord. À bientôt. Le jour suivant. Oh non. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Qu'est-ce qui ne va pas, Léla? Le système signale que mon compte a été connecté à un autre appareil. Quand je me suis reconnecté, j'étais du bacon. Tu as été piraté par quelqu'un. Oh mon Dieu. Je suppose que c'est Daisy qui l'a fait. Uuuh. Oh, je vais te donner des Robux, Léla. Ne pleure pas, d'accord Vraiment Oui. Vérifie ton Robux maintenant. Quoi Tu m'as donné un million de Robux Oh non. Désolé. Je voulais juste t'envoyer cent mille Robux. S'il te plaît, envoyez-moi 900 000 Robux Tu es tellement stupide. Quoi En fait, je m'appelle Joshua et elle s'appelle Freya, ma petite amie. Et nous t'avons arnaqué. Encore une chose importante. J'avais l'habitude d'intimider Daisy quand elle était un bacon. Et maintenant je te sépare d'elle. Bah ah Comment oses-tu Pourquoi n'osons-nous pas Nous pouvons faire des choses pires. Es-tu sûr Alexandre Daisy Ouais. J'ai presque oublié de te dire qu'Alexandre est mon frère et que je savais tout de toi, les gars. Ce n'est pas trop surpris pour moi d'en passer. Et Ruby ?»« Ouais frère. On a un cours de boxe dans 30 minutes, tu l'as oublié. Oh, j'ai presque oublié. Mais j'étais tellement en colère contre mon ami. Ce qui s'est passé je viens de rencontrer des amis, dont Daisy, Léla et Jacques. Daisy Tu la connais Elle était mes amies, mais elle a été harcelée par mon ex-petite amie, puis elle a quitté le groupe. Ouais. On a joué au Murder Mystery 2 ensemble, mais elle nous a tués et elle ne l'a même pas admis, elle nous a menti. As-tu entendu son explication Non, frère. Puis-je voir les noms d'utilisateurs de tes amis Peut-être que je peux les connaître. Voilà. Quoi? Joshua et Freya Tu les connais Ce sont ceux dont je t'ai déjà parlé. Oh mon Dieu. Je pense qu'ils ont créé un piège pour Daisy, puis t'ont utilisé pour de l'argent. Waouh! Je vais me venger deux pour nous. Présent. Ah, tu es tellement stupide. Tu as changé de nom, mais ton nom d'utilisateur reste le même. Même si tu es riche, tu es un rat stupide. Ferme ta gueule. Oh mon ex-petite ami. Tu es tellement stupide comme toujours. Ah. Je t'ai signalé à Roblox et je parie que tu auras quelque chose d'intéressant. Et je pense que tu le mérites. Non. Qu'est-ce que tu nous as fait Tu dois payer pour ce que tu as fait. Je vais te tuer. Viens ici. Et... Encore une chose, Joshua idiot. Quoi Regarde ça. C'est ta belle petite amie. C'est quoi Comment peux-tu avoir ma photo C'est facile quand on a beaucoup d'argent. Tu veux dire que je sors avec une grosse femme de 35 ans C'est exact. Maintenant, sors d'ici. Finalement, ils sont partis. Merci de m'avoir aidé. Pas besoin de dire ça parce que je veux aussi me venger d'eux pour mon frère. Merci beaucoup. Bravo, les gars. Bravo! La fin, histoire 2. Bonjour papa. Bonjour chérie. Papa? As-tu bien dormi la nuit dernière? Euh ouais. À quoi tu penses? En fait, j'ai quelque chose à te dire. Et j'espère que tu pourras accepter ça. C'est quoi, papa? Honnêtement, j'ai une petite amie. Vraiment? Ouais. Et elle a un fils. Ça va pas Oui, papa. Tant que tu en es content. Encore une chose. Elle et son fils viendront ici aujourd'hui. Oups. J'ai un rendez-vous avec Ariana aujourd'hui. Alors je l'appellerai et je lui dirai. Ne t'inquiète pas, papa. Oh, d'accord. Oui, bébé. Salut, bébé. Quand viens-tu chez moi Désolé, bébé. Je ne peux pas venir chez toi ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé Mon père a une petite amie. Oh mon dieu, je pensais que tu détestais ça Mais je ne veux pas qu'il vive seul pour le reste de sa vie. C'est triste, tu sais Oui. Ensuite, ils viendront chez moi ce soir, donc je dois rester à la maison et les rencontrer. Oh d'accord. J'ai compris. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute. Nous pouvons sortir ensemble ce week-end. D'accord. Je promets. Oups. Ce doit être eux. Je dois partir maintenant. À plus tard. Au revoir. Oh mon chéri. Bienvenue chez nous. Bonjour, eux. Tu es si gentil, James. Voici. Ta beauté est comme ces fleurs. Oh mon Dieu. Maman. Papa. Je suis là maintenant. Ta. Je sais, je sais. Allez, bébé. Je dois te présenter. Tu es Charles? Je t'ai connu parce que ton père me parlait trop de toi. Et je connaissais ton existence il y a quelques minutes. Sois respectueux, Charles. Oui, papa. Salut, Charles. Je m'appelle Andrew. Ravi de te rencontrer. J'ai entendu dire que tu as le même âge que moi. J'ai 18 ans. J'ai 18 ans aussi. Alors tu veux voir ta chambre Bien sûr. Suis-moi. Dans la chambre de Charles. Ouais, c'est ta chambre. Maintenant c'est notre chambre. C'est trop cool. Et tu veux dire que nous dormirons dans cette chambre Oui. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Veux-tu jouer à des jeux J'adorerai aussi. Après 3 heures. Ah tu es si amusant. Oh mon Dieu, il est vraiment à mon goût. C'est la première fois que je rencontre un gars qui me fait rire et mon cœur bat si vite. Attends, quoi Quoi, papa Il Charles. Je ne peux pas croire ça. Pourquoi m'as-tu fait ça Je ne fais rien. Tu es... tu es G.A.Y. Non. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je crois ce que j'ai vu. Il m'a embrassé. Oui, papa. Je l'ai embrassé. C'est ma faute, pas lui. Allez, mon fils. Regarde ton corps. Tes muscles sont solides. Et je sais que tu es un vrai garçon. Papa. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance Oh mon Dieu. Ton corps est si mince comme un. Hugues. Alors bien. Je savais que tu étais gay. Tu plaisantes Papa Tu regardes le corps des gens et sais qui est gay ou non. Comme c'est ridicule. Attention à tes mots. Je suis ton père. Ouais. Tu es mon père et tu défends juste mon frère par alliance. Désolé les gars. Je devrais partir d'ici. Ouais. Sors de ma chambre tout de suite. Sois gentil avec ton frère. Frère Sors, Andrew. Je, je suis désolé. Je n'ai pas fait ça. Qui s'en soucie Est-ce que tu te bats Oh Mon Andrew, où étais-tu Mademoiselle, ton garçon est gay. Et tu sais ce qu'il m'a fait, il m'a embrassé. Ah C'est mon fils. Cela n'a pas de sens que mon garçon soit gay et je ne le sais pas. Et ne te comporte pas comme un idiot. Attends une seconde. Tu m'as traité de idiot Ouah Charles, je suis tellement. Tous. Sors de ma chambre maintenant. Je ne te comprends pas, Charles. Tu ne m'as pas encore compris. Je t'enfermerai dans ta chambre. Fais ce que tu veux, je m'en fiche. Maintenant, sors d'ici. Ou toi et ta vilaine petite amie ne me verrez plus du reste de ta vie. Calme-toi, mon fils. Sortir. Uhuh. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant Andrew. Tu devrais rester loin de ce gamin. Ne sois pas impoli avec lui, maman. Quoi Alors tu. Je veux dire, c'est mon frère, alors je ne veux pas que quelqu'un dise du mal de lui. Oh d'accord. Alors assure-toi de ne pas t'approcher de lui. Pourquoi, maman Parce qu'il est gay et je n'aime pas ça. Il peut le flirter et tu sais ce qui va se passer ensuite. Puis-je te demander quelque chose, maman si je, je donne juste un exemple, maman. D'accord. Si j'étais gay, que ferais-tu Je vais mourir. Mais. Ouais. Je vais mourir, je veux juste avoir un fils normal. Et tu devrais avoir une petite amie, chérie. J'ai compris, maman. Quelques mois après. Maman. Je vais venir chez mon amie pour dormir. Chez une fille Euh, eux. Ouais, maman. Ah. Tu es mon fils. Je vais y aller maintenant. D'accord, on se voit plus tard. Je suis désolée maman. Salut Ariana. Ouais. Je t'ai préparé des billets d'avion. Merci beaucoup. De rien. Nous sommes les meilleurs amis, tu sais. Je veux révéler mon vrai sexe à mon père. Mais j'ai trop peur. Nous ne vivons qu'une fois. Alors faisons ce que nous voulons. Merci encore. Oh, je dois rentrer à la maison et prendre une valise. D'accord, à plus tard à l'aéroport. Au revoir. Chez Charles. Et mon fils Que fais-tu avec cette valise Je, je suis juste en train de nettoyer, papa. Oh. Quand tu auras fini, tu devrais aller dormir, mon fils. Oui, papa. Euh Oh, papa. Hein? En fait, je t'aime, papa. Pourquoi tu me dis ça Je veux juste te le dire. Eux et tu devrais faire plus attention à ta santé, papa. Toi aussi. Papa. Si je disparaissais un jour, je te manquerais Oui, bien sûr. Parce que tu es mon fils. Je t'aime, papa. Allez, va te coucher maintenant. Oui, papa. À midi. Après que tous les membres de la famille aient dormi, Charles quitte la maison. Je ne sais pas ce que j'ai fait est mal ou pas. Mais je veux juste vivre pour moi une fois. À l'aéroport. Hey fille. Hey mec. Où est-il? Je suis là. Les gars, je suis là. Merci beaucoup. Au lieu de me dire merci, prenons bien soin de mon meilleur ami. Je ne peux pas croire quelle coïncidence comme celle-ci. Oui. Quel amour admirable. Tu as dû garder le secret sur ton amour pendant deux ans. Après, tu es devenu frère par alliance dans une famille. Oh mon Dieu. Tu nous as beaucoup aidés quand tu prétendais être ma petite amie pendant longtemps. Ah ah ah. Parce que je veux t'aider, les gars. La chose qui m'inquiète le plus cette fois, c'est maman et papa. Moi aussi. Ce sera un choc pour eux. J'ai écrit une lettre pour maman et papa. Et j'espère qu'ils iraient bien. Ne t'inquiète pas, bébé. Nous reviendrons bientôt. Je l'espère. Le jour suivant. Salut, chérie. Je ne vois pas Charles. Oh Dieu. Je n'arrive pas à contacter Andrew. Il a dit qu'il dormirait chez sa petite amie. Hier, j'ai vu Charles prendre une valise. Ben, j'ai trouvé une lettre. Qu'est-ce que ça dit Chère maman et papa. J'espère que tu retrouveras cette lettre lorsque ta morale sera bonne. Avant tout, je t'aime tous les deux. Je n'écris pas cette lettre pour te blesser ou te rendre triste. Je veux partager quelque chose d'important dans ma vie. Au cours des dernières années, Charles et moi avons développé une relation forte et aimante. Nous avons traversé des hauts et des bas ensemble et nous avons réalisé que notre relation est quelque chose de vraiment spécial. Je veux être ouvert et honnête avec toi à ce sujet, lui et moi sommes dans une relation amoureuse et nous sommes tous les deux gays. Je comprends que cela puisse être une surprise et que cela puisse être difficile à accepter au début. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Notre amour l'un pour l'autre est authentique et nous pensons qu'être ensemble est la bonne voie pour nous. Nous espérons que tu peux comprendre et accepter notre relation. Avec tout notre amour. Oh mon Dieu, mon fils. Uhuh. S'il te plaît reviens. Nous pouvons tout accepter. Oui. J'accepte tout. Je regrette maintenant. Ouais. Je peux avoir deux fils au lieu de les perdre tous les deux. Nous les attendrons. Oui chérie. La fin.